يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وخليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من فرير premier point qui dans sa khutba là qui ce qu'ils ont fait qu'écouter c'est une méthode enseignée par nos Habib sallallahu alayhi wa sallam quand on a pour faire un waiz, une causerie, une explication, moyaz, khutba qui nous commence par ça. Mon pensée dans Maurice nous fait comment dire, il y a 250 bananes, nous peut écouter ça. Vous pensez qu'il s'acquérait à des besoins sentis responsables qui y apprennent qui est dans sa main de parole. Les besoins apprennent qui veut. Parce que quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne ça sur les sahaba, sa introduction là, il enseigne les sahaba pareil comme les types enseignent les autres à le Coran. Ça veut dire pas l'importance de ban message qui est dans sa introduction là. Les dimans qui sont musulmans, ils comprennent ce message-là. Et le message principal qui est là-dedans, c'est « Ittaqullah ». Et « Ittaqullah » Azza wa Jal. Et plusieurs fois, nous expliquons et nous pourrions faire rappel parce que c'est un maqsad nous haya. C'est l'objectif nous la vie qui nous gagne « Ittaqullah » Azza wa Jal. Parce que quand nous gagnons « Ittaqwa », quand nous gagnons « Ittaqwa », « U'iddat lil muttaqin »« Jannat » qui nous préparait pour les muttaqin. Et Ramadan, Allah a institué un mois Ramadan. Fait-il venir un rukun min arkan l'islam, veut dire une bouniade parmi panche bouniade de l'islam, veut dire un pilier parmi cinq piliers, Ramadan, Sorosa, que là-dedans, Allah a institué ce mois-là pour les musulmans, ou akéri et taqwa, ou gain et taqwa, ensuite quand on va le faire hajj, ou prendre ce taqwa-là ensemble avec vous quand on va le faire hajj. Wa tazawwadu fa inna khayr az-zad at-taqwa, Allah dit concernant hajj, quand vous allez faire hajj, amène vous une provision avec vous. Mes meilleures provisions qui sont bizarres avec eux pour faire un hajj, d'après le principe qui allait sur le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est avec taqwa. Et taqwa, aussi longtemps que nous, les musulmans, les gens qui ne peuvent pas faire jumma, les gens qui ne peuvent pas faire sijda du tout, les gens qui ne peuvent pas sentir aucune importance de sa moins de bénéfices qui Allah a institué pour attache shaitan pour où? Rabbul Alamin attache Satan à cause où? Lui ouvre la porte de Jannat à cause où? Lui ferme la porte de Jahannam à cause où? Lui ferme Ramadan, ce mois vient un mois de bonus, un mois de récompense, un mois de motivation, un mois spirituel, un mois qui est un baraka, afin qu'il nous juille de sa main de bénéfice qui est dans le mois Ramadan. Là, l'esban qui est en Dieu, au masjid,
mais on vient jumma. C'est un signe de l'Iman, c'est un response qui on donne l'appel à Allah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'aw ila dhikrillah, ça veut dire ou parmi banjimun qui Allah a adressé dans le Coran. Et une réponse à l'appel là, au moins une petite chose, prend dans sa jumma là la case, aussi longtemps nous pas implémente halal, haram dans nous la vie. Ça veut dire nous pas mettons l'ordre Allah faraz en pratique, l'ordre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui faraz en pratique, reste loin avec quelque chose qui haram, qui Allah son Rasoul in fait, nous pas pour rentrer dans cercle de man muttaqin. Pour venir un muttaqi et nous obliger à venir un muttaqi, nous besoin mettre en pratique l'ordre Allah. Bien souvent, man famille qui nous appelle religieuse, l'infini décide pour soumettre devant Allah, mais seulement il n'est pas péconné, il y a une action qui faraz il pas faire, et il y a une action qui haram il faire. Alors, mon frère et mon soeur qui peut écouter sa khutba là, connaît qui laissons dans sa jumma, c'est qu'il nous bise à vin muttaqi, et quand nous dit vin muttaqi, il ne veut pas dire paix à Allah, paix à Allah c'est khawf min Allah, c'est un thamara, c'est un fruit de un qui a taqwa de solikir, quand nous cause taqwa, tu bise à taqwa, paix à Allah, gagne taqwa Allah azza wa jal, veut dire mettre en pratique ben l'ordre Allah avec l'ordre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et reste loin comme quelque chose qu'Allah avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mois de Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Ensuite, ben frère, ensuite, est-ce qui, combien fois nous peut dire, est-ce qui sa Coran là, il reste non altered, unaltered, il n'est pas fini dans la modification. Allah préserve sa Coran là. Juste pour nous dire les autres communautés, les autres livres, il n'est pas modification, altération, nous livres, pas altération. Mais quand nous guettons action devant les musulmans, nous disons nous, ban action, nous pas besoin de dire les autres du monde. Quand nous guettons nos actions, nos paroles, nos réactions, les montrer les contraires de ça, ban l'autre Allah qui nous préservait dans le Coran. Mais comment nous vous présentons devant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Zoukriyama? Comment nous pouvons faire face avec lui? Mais tu as le Coran, mais tu as l'action, tu as le contraire, ce qui est dans le Coran et ce qui tient dans le sunnah de nos rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors, nous faisons ça une réalité dans nous la vie, sans manque qui nous vise à apporter dans nous la famille, c'est pas implément, règlement, Allah sur le rasoul sallallahu alayhi wa sallam et reste nous avec nous qui sont haram. Nous ne pouvons pas dire, comment la case tirer, tirer, écrase partout, sens partout, si tout fait des autres, non. Nous pouvons dire, au moins, vine conscient. Au moins, un djimoun y analyse sur la case, qui ban manquement, il demande Allah pardon, il dit sans et ban quitte chose qui dit bien qu'il y en a sur la case, il demande doua avec Allah, ou Allah préserve sa bonne affaire là, jusqu'à qu'il me soit toi et te satisfait avec moi. Ça y est, pourtant, qu'un musulman il vive comme ça. Un musulman il ne pas vivre, comment dire, quand on nous dit bébé de l'os, il ne pas vivre, comment dire, un bébé de gomon, zédé le loli, il n'y a aucun. Nous venons, nous écoutons le Coran, peut causer, Allah peut adresser avec nous, peut poser nous questions, nous n'avons aucune réaction, simplement, nous n'avons pas tapas dans le jumma. Ensuite, quand on est sorti devant la porte, nous allons, nous quittons tout en place, nous allons. Ben frère, le Coran il descend dans le Ramadan. Pourquoi faire? Pour lier Tarawih? Non! Le Coran ne descend pas pour lier Tarawih. Coran in descend, son raison principale, Shahru Ramadan, Allah dit, unzila fihi al-Quran, Allah dit, hudal linnas, une guidance pour l'humanité en entier. Wa bayyinatin min al-huda, et une preuve clé là-dedans, halal qui était, haram qui était. Wal furqan, Allah donne où un l'appareil, ce qu'il appelle al-furqan, à travers al-Quran, Allah sa parole, quand ou évaluer. Ou évaluer ban situation, ban scénario, ban parole, ban croyance, ban ibadat, ban transaction à travers le Coran. Coran pour dire où ça résister, ça adopter. Ça appelle ça al-Furqan. Allah peut dire Coran dit al-Furqan. Nazzal al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Allah dit dans la sourate al-Furqan. Allah descend al-Furqan. Le critérium, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li yakuna lil alamin nadhira, pour y avertir les mondes en entier, pas ces musulmans, toi musulman, tu n'as pas voulu mettre en pratique le Coran, Allah poussance, toi faire attention, Allah pour faire tabdil, li poussance, toi musulman, li pour amener l'autre communauté. Allah dit dans sourate al-Fath, thumma la yakunu amthalakum, sa communauté qui pour venir remplace nous musulmans, par nos négligences envers din Allah, par nos négligences envers Coran, par nos négligences envers sunna de nos habib sallallahu alayhi wa sallam, si nous continuons à persister dans sa l'insouciance, l'inconscience, l'ingratitude, désobéissance, Allah de ce sunna, de ce principe, licence nous.
Yamin en l'autre communauté, Allah dit à ce moment-là, yakounu amthalakum. Ensuite, sa nouvelle communauté là, il n'est pas pour pareil comme les autres. Yuhibbounahu wa yuhibbounahum. Ben là, content Allah et Allah content les autres. Azillatin ala al-mu'minin. Sa nouvelle communauté qui vient là, il est doux envers les croyants. A'izzatin ala al-kafirin. Et il est dur envers les kafirs. Yujahidouna fi sabilillah. Se fait jihad fi sabilillah. Wala yakhafouna laumata la'im. Ce n'est pas payé avant ce qui dit monde pour causer, qui dit monde pour dire. Aussi longtemps ce qui nous peut dire, li en conformément, li corroboré, li en approuval avec le Coran, avec le sunna de nos Habib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Dans le Coran, dans sa Coran, Allah dit, il y a un ayat qui est très faux. Il y a un ayat qui est bizarre, pionnier dans la case. L'emplace, nous, elle prend parole chez Guevara. Je ne comprends pas comment un musulman est capable d'impressionner par un statement de Che Guevara, Ti maman, Molière, Ti maman, l'autre un tel, Lénine, l'autre il est impressionné par Paul Béranzé, l'autre impressionné par Ramgoulam, l'autre impressionné par Jack Nat, sa parole, nous prenons sa parole là, nous pouvons faire sa vie, man modèle, quitte sa grande parole là. Enfin, incroyable. Le Coran, man frère, le Coran, asdaqou min Allah haditha, mais il y a parole, c'est parole, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الله يبوس كشود القرآن. كم أزود كفاس سانس بقول الله بقول جمون؟ إبامم بقول زود حبيب صلى الله عليه وسلم. بامم. الله يبوس كشود القرآن. نجمان نوزا كشونا. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تكيد كتسود من مال بروبتيكم سا. وبرد بقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله. بدأ آية القرآن. زود تكوني كده الدنيا سيمتحان. Pas aujourd'hui, moi, je viens de dire ça qui est dans Dunia, c'est la salle d'examen. Dans Akhiret, c'est récompense. C'est tout connaît ça. Tout le monde connaît. Bouze la tête, dit oui, pour ça, malaïka, écrit, dit oui, vous connaissez qui dans sa Dunia là, c'est imtihan. Dans chaud, oublié, tu crois dans sa Dunia là, c'est station éternelle. Non. Dunia, c'est imtihan. Dans imtihan, il y a question. Dans question, il y a pointage. Mais vous n'avez pas besoin de connaître combien de points vous pouvez gagner dans la dunya avant ou dans l'akhirat pour recevoir le résultat. Ou ça, vous pouvez attendre dans l'akhirat. Quand moi, je compte Allah, quand je peux gagner mon papier, mon réponse, je dis que je gagne 75 et ton papier vient 25. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce qui m'a dit Allah, là, je peux dire ça dans mon tête. Dans le Coran, peut dire. Rasoul Sassan peut dire innama hiya a'malukum ou wafiha lakum. وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها لكم. Ces autres actions, ce qu'ils ont fait, ce qu'il y a dans le papier là. Mon préserve-li pour les autres Allah dire. Qu'il dit? Mon préserve-li. Ça va une parole qu'on dit, ça va une action qu'on fait, ça va une croyance qu'on fait, ça va une obéissance qu'on fait, et ça va une désobéissance qu'on fait. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tout ça là, les bouts de livre là. Quand nous recevons le livre là, Allah vous dit Inna mahiya a'malukum. Zut action sa baïdan. Uhsiha lakum. Mon préserve li pour zut. Mon compte li, mon préserve li pour zut. Thumma uwafiha lakum. Ensuite, mon donne zut zut qiyama. À ce qu'on recevra le livre qui arrive. Famma man utiya kitabahu bi yamini. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. C'est lui qui gagne ce livre dans la main droite. Avant l'IOVM, il connaît quelque chose correct, positif. Il finit de dire à nous ça. Il finit de dire à nous qu'il y a pour recevoir un livre dans la main droite et que la main gauche, tout ça, nous ne connaissons pas ça. Au moment de la salle l'examen, là, c'était là, aujourd'hui, nous encore vivants, nous encore dans la salle l'examen, et pas encore dire à nous, pants down, pas encore dire à nous. Nous encore, il y a l'occasion. Et qui a été l'occasion? Un tauba à ce là, écoute-moi, là, on est mettre dans la tête, ya Allah, moi, je retourne vers toi. Allah, tiens, tout ça, man, pèse là, il efface tout à ce là même. À ce là. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الذي تفتح توبة تسويف ستوبة لا بابون أكشن مسانس تو سا موفي أكشن مو فالي فين بو أكشن بو تو كانوا أنكو دا دارو امتحان دا الإكزامي ألو دا الإكزامي بي إنا من بوينتاز إنا من بوين كي نو بو غني كان نو باس دا نو من تيس Right là, est-ce qu'il y a une question qui m'a demandé, mon frère, je te réfléchis, qu'à la case réfléchis, est-ce qu'Allah, l'épargne de nous, un moyen pour nous évaluer nos imans et que nos résultats dans Dunia avant de nous rendre à Akhirat?
Ou ça qu'on a l'akhirat qui nous vous connaît. Obligé, non. Parmi ça, un ayat Coran, qui Allah nous mettait dans le Coran, pour nous capables d'évaluer nos halat dans l'akhirat, Allah dit dans la surah Tawbah, « Qu'il n'y a pas d'abaoukoum, ou abnaoukoum, ou ikhwanoukoum, 3, ou azwajoukoum, 4, ou ashiratoukoum, 5, ou amwalun iktaraftoumouha, 6, ou tijaratun takshawna kasadaha, 7, ou masakinu tardawnaha. » Allah peut cause avec nous. Si arrivé, ça a 8 petites choses qui m'ont mentionné là. « Ahabba ilaykum min Allahi wa rasoulihi wa jihadin fi sabili » Si ça huit qui chose là, je ne compte en est plus qui Allah. Ou bien plus qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien plus qui jihad fi sabilillah, fatarabbasu, alors attendre qui Allah pour réagir aux autres. Ça c'est ayat Quran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. En jimoun pas pour un iman. Aussi longtemps dit pas content pour ce frère, ce qu'il est content pour lui. Ça, c'est un critère qui Allah mettait dans le Coran, qui nous évaluait, nous iman, nous évaluait, nos résultats qui nous pouvons gagner contre Allah avant nous mourir, parce que pour nous capables, c'est comme Omar ibn al-Khattab dit Hasibu anfusakum, qabla antu hasabu. Évaluez eux avant qu'Allah évalue eux. Qui fait? Parce que quand nous avons contre Allah, subhanahu wa ta'ala, là-bas saisit résultat, là-bas saisit nadama, le regret. Qui fait un mot particulier, c'est la même qui nous dit Ya laytana nous raddu wa la nous kathiba bi ayatina wa nakuna min al mu'minin. Allah fait dire dans la surah An'am Wa la utara idhwukifu ala nar. Quand on dit bon pour djibouji wa jahannam, yakuluna ya laytana, je vous dis malélo nous, ya laytana nous raddu ki Allah retourne nous astir, wa la nous kathiba bi ayati rabbina, et nous pas pour démentir parole Allah, wa nakuna min al mu'minin, et nous pouvons mu'min astir. Allah dit bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadhibun. Allah dit ben mentir mon retour de la dunia million fois aussi je peux continuer faire pareil. Allô ben frère, dans dunia, dans Coran et dans sunna, il y a une évaluation de où ou famille ou situation qui peut être dans akhirat avant ou mort. Alors nous visons qu'on ça un point d'évaluation là. Mon besoin qu'on man marking, c'est pas capable. Mon pourquoi sa question là gagne 20 points. Et dans moi le côté là, tu n'as un seul point là. Par contre, il y a une question que si tu as raté, tu as perdu l'examen, tu as raté. Mais ça, jamais Allah pour faire l'injustice, pour ne pas informer nous, qui ça un point d'évaluation, qui ça que nous avons besoin qu'on pour l'évaluer. Ensuite, il connaît qui position il était pour être capable de faire tawba, retourner vers Allah. Ou bien lui faire droit avec Allah, mon pointage, peut paraître ok, alors tini moi ferme, jusqu'à mon jeune Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et mon rendre dans Jannah, pour rahmat Allah azza wa jalla. Alors, dans dunia, il y a un imtihan, et Allah finit de mettre un critère dans dunia pour nous capables d'évaluer nous avant qu'il nous quitte sa dunia là. Parce qu'une fois qu'il malakul mort, il paraît, appelle ça pens down. Plim posé, saisis résultat qui nous bougaine, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir a'mal al-khayri lana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Semaine passée, ça veut dire Shobrat le 15, ce qui maintenant appelle Shabbat. Alors un frère, il est en Côte Kabarastan. Enfin, de sa croyance, lui, il est en Kabarastan, il est en Côte Kabarastan, dans l'endroit. Le temps, il est en Côte Kabarastan, il est tout seul, ça veut dire un camion arrêté au lit. Je montre une situation qui nous peut vivre dans nos pays locaux. Quand on a l'Ukraine avec la Russie, tout ça. Non, nous, les Libyens, poser là, comment nous pouvons vivre. Je donne 3-4 exemples. Et en plus, qui nous peut bien faire dans une situation pareille, toujours base là, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le point sur qui nous ummat les unir. Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'amour, sur l'ittiba.
nous modèle, nous shafa'at à travers lui, c'est celui qui Allah il a envoyé pour unir la communauté. Et c'est à travers lui tout seul qui nous besoin. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut satisfaire avec nous. Et c'est l'islam lui-même qui nous communauté pour capable et dans la force, comme on dit, dans son izzat. Et c'est de ce tariqa tout seul qui nous pourrait najat dans la dunya et dans l'akhirah. God ça de la tête. Djimoun là arrive que Kabarastan, un camion arrête à lui. Des djimoun descend. Maintenant, il y a un coup de téléphone, dit un tel. Mais nous gagnons un bail là, avec ce bonnet, tout qui nous fait à lui. Avons-nous mangé? Dans le cas, ça bail, nous sommes là, nous avons un djimoun qui m'a un service sur nous qui peut téléphoner. Allah donne l'esprit dit maintenant mais moi ça du monde là moi ça dit du monde là et dit du monde une autre communauté les dit be du monde maintenant be to connait ou connait l'ogli en bon on nous pays n'arrive mais nous dans ouest dans l'Afrique dans ceux l'Amérique ouest oh ça veut dire si pas tu connais bail là après une semaine deux semaines ou tant dit un bail gagne sur la main sur des lipiens coupé l'in suicide li right là moi je viens déjà événement. Maintenant, ramasse un frère musulman, l'accusation harboring terroriste. Zodi lundi, par exemple. Sa terroriste-là, son accusation lundi, il y a encore participation d'un crime. Infini arrête une personne. L'accusation harboring terroriste, le jour lundi, par exemple. Lundi, ça terroriste, ça, il y a une accusation terroriste, il y a encore participation dans un crime. Quand fini, arrête, premier djimoun, le harboring terroriste, après des jours, il y a un terroriste, il y a une accusation terroriste acte. C'est un exemple pour djimoun réfléchir, mais qu'est-ce nous peut vivre? Et ça passe en public, il n'y a pas passé en secret, il n'y a pas passé dans la chambre fermée, il n'y a pas passé dans la salle noire, non. Il passe en public, devant tout djimoun. Un autre suspect, il est tombé depuis le camion, il a un crâne, il a une fracture crâne, il mort. Sur la famille, dire qu'il est sur l'écho, partout, il a l'effet, il a l'impact de l'ingain batté. Ça veut dire, mais ça veut dire qu'il n'est plus dans le contrôle. Ça veut dire une société qui finit perdu sur une base. Ça veut dire que nous, musulmans, je n'ai pas besoin de dire ça, j'ai envie d'une autre nouvelle. Je n'ai pas envie d'une autre nouvelle. Capable de l'assemblée, il y a du monde qui compte beaucoup de détails aux événements qui m'ont pu causer. Mais seulement sa bonne situation là, lui montrer l'urgence que la communauté musulmane veut réunir autour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Anfal, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhab rihukum wa asbiru inna Allah ma'as sabirin. Dans Ramadan, les djiman qui tout ban djimoun qui content invite vers ce groupe, vers ce djamat, qui se retourne en arrière et laisse Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef de nos ummat, imam ul anbiya, les vient devant et nous tous nous poursuivre Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une situation automatique qui retourne l'honneur à sa communauté là, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ju'ilat al-zillatu wa sagaru ala man khalafa amri de Sahih Bukhari. Allah pour plonge dans déshonneur tout du monde qui désobéit, qui oppose tariqa de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à même Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, les fins faire suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une preuve, un critère pour qu'il nous véridique dans nos paroles qui nous content Allah. Je pose la question, nous content Allah? Tout le monde dit oui, nous content Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pas d'accord avec tes paroles. Aussi longtemps que tu ne pas suivre mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, tes paroles restent paroles. Pour concrétiser sa parole là, tu as besoin de prouver à Allah qui te suive Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. À ce suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un petit problème dans nos communautés. Nous minimisons, nous réduisons. Suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans quelques paroles et actions qui les fit avec mon attire. Comme on dit suivre sunna, je peux dire suivre sunna, c'est que moi je suive. Je ne vais pas dire suivre sunna complète que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit suivre. Alors, chaque partie dans nos communautés, chaque année prend une partie depuis dans sunna, les met en pratique, les trademarks, les mêmes passent à sunna là, écoute ça bien là. Les trademarks, les passent à sunna là, et les lagues avec ce frère musulman qui n'a pas fait à sa sunna là,
et il fait camarade 10 avec man du monde qui fait sa sunna là. Et finalement, combien sunna il peut faire? Il peut faire une partie dans sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous gagnons l'autre pour prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un modèle fil raqa wa shidda fil makrah wal manshat, dans difficulté aussi nous Rasul nous modèle, dans la guerre aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous modèle. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit ça ayat Coran qu'ils ont tout habitué tendé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, et un modèle parfait pour nous dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il met ça ayat Coran là dans la guerre Ahzab. Qui fait on peut faire autre réfléchir qui fait Allah il met ayat Coran qui nous tout tendait laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, et un modèle parfait pour eux dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah choisit la guerre Ahzab, ce événement dans sourat Ahzab, comme un sahaba une pose des hommes je ne tire sur mon monture de la guerre je peux dire peine à la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit à mon sahaba remet Jibril vini amin ayat Coran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, get zot rasul, comment il peut prendre patience, comment il peut tini ferme, comment il y a encore une somme la guerre au lit et il peut sortir pour la guerre. Oh man mu'minin, suivez votre rasoul, il y a un modèle parfait pour vous. Aujourd'hui, nous faisons un choix quand nous causons sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Communauté fait un choix. Quelque chose qui est approprié avec son nafs, les mettre en pratique. Quelque chose qui demande qui divise, détruire son nafs. Pour lui donner victoire par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans, il éloigne lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui. Dans le Coran, il décrit la qualité de mu'minin. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyara. Qualité de un mu'min, jeune ou vieux, monsieur ou madame, c'est quand Allah et son Rasul indienne qui te chose, je te soumets devant sa parole-là, je te décision peine à valer, décision je te mazhab peine à valer, décision je te amir peine à valer, décision je te pays peine à valer, décision je te imam peine à valer, décision je te famille peine à valer. Une fois que ces paroles Allah et son Rasul il paraît devant nous, inna ma kana qawla al-mu'minin, idha du'u ila Allahi wa Rasulihi, an yahkuma baynahum, an yaqulu li yahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ça c'est qualité de un mu'min, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous bien content plus qui tout qui chose plus qui nous maman nous papa et plus qui nous même, et ça l'amour qui nous est pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam yatatallab li deman qui nous réalise li pour suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans nos iman dans nos ibadat. Alors ça Ramadan là li deman en waqfa sadiqa li deman en résolution ferme tout du monde qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est nous modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous puissions discuter, nous amène lui devant sur la peau de jugement et ce qu'il est jugé, nous bien soumettre devant sa décision. Veut dire qu'Allah et Rasul indien quelque chose, nous tous nos paroles vis-à-vis de parler hier. Oui, moi tu pensais ça bon, mon groupe tu pensais ça bon, mon amir tu pensais ça bon, mais Allah et Rasul peut dire le contraire. Moi bien soumettre devant parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple pour terminer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve une bague dans la main d'un sahaba, hadith qui trouve dans Muslim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve une bague dans les doigts d'un sahaba en eau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient sa bague là, il zette. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, بعد ما ذهب Rasul sallallahu alayhi wa sallam, خذ خاتمك انتفع به. Quand il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, oui, il tient de tous les doigts, il zette. Mais prends-le, tu as vanné, tu as acheté quelque chose, tu as gagné casse. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient sa bague là, il zette. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam allé, ben, il peut dire, ok, ben, ramasse-le, tu as bénéficié de la bague là, une bague en eau. Sahaba l'a dit, la akhudhuhu abadan, wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, non, jamais je pourrais toucher sa bague là, parce que nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il zette-le. Moi, comment je cavalerai l'évli pour prendre-le? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit, moi, prends-le, al servi-le, mais pas mettre de tous les doigts. Mais au moment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il zette-le. Je ne peux pas ramasser, al bénéficier avec ça. Ça, c'est un exemple de caractère de Ban Sahaba de suivre l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le raison, le secret qui Allah dit, radiyallahu anhum, wa radu an, Allah est satisfait aux autres. Il est satisfait aux autres parce qu'il kiffe. Parce qu'ils ont été prêts avec Rasul, parce qu'ils ont été arabes, parce qu'ils ont été dans même l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont été fait namaz avec lui. Non, Allah il élève daraja de Ban Sahaba pas l'amour qu'ils obtiennent pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps pas ittiba suivre qu'ils suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nos communautés peuvent souffrir division.
nos communautés peuvent souffrir discussion, peuvent souffrir la guerre à l'intérieur de la communauté. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 1443 bonnes années de cela, l'infini donne nous solution pour régler ce problème-là. Nous pas pouvons régler solution d'une difficulté par nous l'esprit. Pas capable. Nous pas capable à chaque fois nous venir nous dire nous besoin une communauté pas dire ça pour communauté pas diviser non Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il met le critère qui unit la communauté il dit wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira c'est lui qui peut vivre parmi eux il peut trouver beaucoup de divergences ya Rasoul Allah qui nous besoin faire il dit alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyin min ba'di suivez mon sunnat et sunnat de mon khulafa ar rashidin ça veut dire Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali radiyallahu an ça c'est une solution pour tout travailleur social ça c'est une solution pour tout du monde qui sentit attaché avec ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça c'est une solution pour tout du monde qui a souffrance quand nos communautés souffrent qui sa communauté là se l'honneur ce succès l'y trouve dans une seule petite chose c'est d'en suivre nous Habib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fin met ban pionnier dans nos din pour renforcer aussi relation ban musulman par exemple il dit al muslim akhul muslim un musulman les frères un musulman la yaslimu wa la yadhlimu wa la yakdhibu wa la yakhunu wa la yahqiru il dit il pas délesli il pas cause mentir au lit quand il peut donner l'aide au lit il supporte lit et il pas dénigrer lit et il n'y a pas fait traite avec lui. Un musulman n'a pas fait traite avec lui. Quel plus grand traite qu'il y a un djimoun qui appelle lui musulman, ensuite il peut vendre la drogue, ce frère musulman peut mourir. Quel plus grand traite qui ça djimoun là? Ensuite, nous pouvons unir la communauté. Quand un djimoun à l'intérieur communauté peut travailler pour détruire nous-mêmes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un dernier hadith qui lui dit, « Lidia, idha marra ahadukum fi masjidina » Nous montrez autres comment nous, Rasul, mettre l'enseignement pour renforcer sa lien entre musulmans là les dire qu'ici un parmi manjimoun les dire de Sahih Bukhari les dire idha marra ahadukum fi masjidina si un parmi eux marche dans nos masjid ou fi souqina ou bien dans nos marchés wa ma'ahu nablun de solami in un zavlo qui pointe les capables du monde Rasul sallallahu alayhi wa sallam les dire فَلْيَقْبِدْ بِكَفِّهِ qu'il y trappe ce côté pointe avec ce lamé أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَشَيْ attention quand il peut embrasser dans nos bazars ou dans nos masjid pour errer un djimoun a gagné piqué avec sa pointe là alors qu'il y trappe avec ce pointe qui plie grand l'enseignement qui nous l'est avec l'enseignement de nos habibs sallallahu alayhi wa sallam pour renforcer aussi le lien qui est entre les musulmans et ça là ça hadith là ça hadith là azodi la terre musulman l'enzan musulman l'homme musulman peut servir pour faire dito musulman pas besoin de dire dans l'Irak qui catastrophe est arrivée dans la Syrie qui catastrophe est arrivée dans l'Afghanistan qui catastrophe est arrivée si nous prenons ça hadith là nous comprenons avec les événements nous pouvons comprendre qui raison qui azodi nous tombe dans faiblesse et qui fait musulman peut mourir partout et dans Maurice si musulman pas vienne conscient et musulman pas renforcer un à l'autre et musulman pas coopérer un à l'autre nous pays qui dit mais nous commençons stand dans nos pays déjà nous pétons de même parce que ça l'événement de ça l'endroit côté ça du monde dans le côté Kabarastan alors musulman vin conscient guette bien côté te mettre les pieds guette bien côté te mettre leurs ans guette bien côté te mettre l'armée passer à venir pour faire ummat gain dito n'importe qui action et parole qui fait ummat gain dito reste loin avec ça nous demandons avec rabbul alamin rabbana dharamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin allahumma ya rabbal alamin inna nas'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin ya qawi ya amin allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik allahumma ballighna ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiya ya rabbal alamin allahumma ya qawi ya amin يا رب المستضعفين انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وأمور المسلمين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين